Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Fort bien. Comment s'est passée la nuit Maps to the Stars? Fort bien. Oui. J'ai vu Julianne Moore, j'étais fort content. Elle avait une très belle robe. C'est vrai, tu n'as pas vu Robert? Je n'ai pas vu Robert, non. J'ai vu surtout les gardes du corps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film belge qui s'appelle Deux jours, une nuit. Le film des frères Dardenne qui était présenté hier en compétition officielle. Un film avec Fabrizio Ronjone et Marion Cotillard. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Et là, nous ne sommes déjà pas d'accord parce que moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était bien mieux que Le gamin en vélo, que je n'avais pas du tout aimé. Pourquoi tu n'as pas aimé? Parce que moi, je trouve qu'ils ont perdu leur radicalité. Et je sens tout l'artifice du film. Je sens l'écriture du film de bout en bout. Oui. Je sens les intentions. Le film est plus pensé depuis le point de vue du spectateur et qu'on quitte la radicalité du point de vue du protagoniste. Et alors, pour moi, il y a une addition de clichés dans l'ensemble des personnages qu'elle rencontre. Pour moi, on est proche du misérabilisme, ce qu'on n'a jamais eu avant dans le cinéma des frères Dardenne. Moi, je trouve que Marion joue très bien et bien mieux que Cécile de France. Bon, les seconds rôles sont toujours un peu moyens. Pour moi, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très très bons dans les seconds rôles et il y en a qui sont vraiment très mauvais. Ouais. Et ça, c'est assez paradoxal parce que c'est normalement le point fort pour moi des réalisateurs aussi, c'est cette direction d'acteur. Alors, deuxième film qui était en compétition hier, c'est, je vais lire mon papier. Futasume Nomado. Voilà, qui est un film. C'est un film japonais, Noémie Kawase. Deux fenêtres en français. Still the water en anglais. Et alors? C'est très poétique. C'est un peu trop narratif pour moi. Il y a des plans qui sont vraiment proprement magnifiques. C'est un éveil à soi, un éveil à l'autre, un deuil aussi. Et il y a énormément de sujets dedans, tous les sujets qu'on retrouve dans le cinéma de Naomi Kawase. Je ne suis pas du tout rentré dedans. Nous allons quitter la compétition officielle pour partir à la quinzaine. Qu'as-tu vu à la quinzaine? Eh bien, je suis allé à la quinzaine pour s'en voir un film queer, puisque c'était un film sur la queer list. Oui. Alors, je ne sais pas du tout comment cette queer list a été établie. Visiblement, c'est sur base de scénario. Mais alors, je suis allé voir Whiplash. Oui. Qui est un film américain qui est très très bien mené comme film. On a un étudiant au conservatoire qui veut vraiment devenir un grand batteur de jazz. Il est confronté au prof mythique de cette école. Il arrive à rentrer dans la classe de ce prof, dans son orchestre. Donc c'est une sorte de consécration. La seule problématique, c'est que ce type est juste exécrable. Il les insulte. Donc je pense qu'en fait il y a toutes les insultes homophobes possibles en anglais. C'est un réel dictionnaire. Ça doit être ça. On est vraiment dans une situation de harcèlement, donc avec ce questionnement de jusqu'où on peut aller dans le harcèlement. C'est assez chouette, c'est bien mené, il y a un bon rythme, la musique, il y a énormément de musique. Mais il n'a juste rien à voir. Mais donc je l'ai découvert au hasard et c'est très très bien. Voilà, c'est un chouette film. Comme qui quoi, pourrait avoir une belle carrière en salle. Comme quoi, des trois films, c'est la surprise qui t'a le mieux plu. C'est ça. Bon Nicolas, on va se quitter ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles découvertes. Oui, oui, dans une temporalité toute rationnelle qui ressemble à celle de Michel Azanavicius. Allez, merci, au revoir.